Salut tout le monde, salut, bienvenue, on se retrouve sur une nouvelle série sur le jeu vidéo 13, c'est un vieux jeu que j'ai envie de refaire. Allez, c'est parti. Du FBI sont de taille à arrêter les assassins de Sheridan, colonel Amos. J'en doute. Gardez vos impressions pour vous, général Carrington. Vous savez, une investigation a besoin de preuves pour avancer. Je vais mener ma propre enquête et personne ne m'en empêchera. Vous m'entendez, Amos? Personne! Numéro 13 ne sera bientôt plus un problème. Les opérations. Allô, Frank? C'est Janet. Je viens de terminer ma ronde. Tu as encore besoin de moi dans le secteur? Ok, je rentre au QG. On dirait que la journée s'annonce plutôt calme, hein? Tu as vu la mer ce matin? Mais qu'est-ce que... Attends, je te rappelle. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Doucement. On dirait une blessure par balle. Essayez de bouger vos jambes. Je ne me souviens de rien. Ok, allez, c'est parti. Vous pouvez marcher jusqu'au pick-up? Non, faites pas attention au graphisme, hein. C'est un vieux jeu et c'est en mode BD aussi. Pour ça, pour avoir les onomatopées, ça. Hein? L'hélicoptère. Je me souviens. Au poste de secours. Essayez de marcher. Attention! Oh merde. Tu perds connaissance. Hélène, c'est Janet. Je viens de récupérer un blessé sur la plage de Brighton. Il n'a aucun papier sur lui et il ne se souvient de rien. Je voudrais lui faire passer un scanner rapidement. Tu as un créneau ce matin? Dans une heure. Parfait, je te l'amène. Alors, toujours aucun souvenir?
Regardez, j'ai trouvé cette clé dans votre poche. Ça vous dit quelque chose, la Winslow Bank? Tenez. Qu'est-ce que c'est? Ça va d'être ce jeu. Allô? Ouais, bah, c'est pas le moment. Va bien la mangouste. Je crois qu'on pourrait avec la vie, si je me rappelle. Vraiment je trouve... Attends, je vais regarder la touche. C'est un express, Q. On va juste modifier ça. Il n'y a pas un sprint là-dessus. Marché, c'était ça, je copie. Ok, est-ce que j'ai validé? Ok. Je suis pas trop fan de la sensibilité là. C'est bon, c'est bon. Des choses là. Et là, il descend là. Ça va, ils sont nuls.
Donc là, je vois un mec. Monsieur Roland, cela fait si longtemps. Vous désirez consulter votre coffre, je suppose. Ah, je peux dormir. Puis-je récupérer votre clé? Si vous voulez bien me suivre. Vas-y, il peut suivre. Comme vous pouvez le constater, le système de sécurité de la banque a été renforcé. Depuis l'assassinat du président, tous les établissements ont fait de même. Hello James, Monsieur Roland voudrait accéder à son coffre. Bonjour Monsieur Roland. Salut James. Il se trouve toujours au fond de la salle. Alors. Appelez-moi dès que vous désirez sortir. Oh putain, une bonne. La minuterie. Ça va. Harrington avait raison. Ils ont mordu à l'hameçon. Regarde toutes ces preuves. Ces documents ne doivent pas tomber entre leurs mains. Et on les aura. Du numéro 20 au numéro 1. Et ta mission sur ce mystérieux bateau? Toujours pas m'en parler. C'est encore une idée de cette fille, à ta place, je me méfierais. Je ne la sens pas. Vas-y, amorce la bombe. C'est bon. De sécurité. Comment on abaisse les grilles? Ok. Ah ça c'est bien les tap tap. Tu vois où ils sont les mecs? What?
je les tue. Oh, il y a une petite descente là. Ah, tu veux que je prenne un otage? Pas de soucis. Merde. Ah. J'ai fait le con là. Ah oui, merde. Il y a rien d'autre pour casser la gueule. Oh, il a la main. Hein. Là, je peux tirer. Allez, on va s'arrêter. Alors, centrale ici, voiture 5, une équipe est déjà sur place. FBI, lâchez votre arme. Il est pour moi, lui. Steve Roland, je vous arrête pour le meurtre de William Sheridan. Ok. Bon. Steve Roland. Je vous arrête pour le meurtre de William Sheridan. Vous avez le droit de garder le silence et de refuser de répondre à mes questions. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre... À quoi bon un avocat? Je ne me souviens de rien. Je lis votre déposition, vous ajoutez même ne pas vous sentir l'âme d'un meurtrier. C'est touchant, mais vous conviendrez que je ne peux pas me contenter de tels arguments. En revanche, j'ai ici une preuve accablante. Emery, les images s'il vous plaît. Regardez ce cliché. Vous voyez l'impact derrière la tête?
D'où la balle est-elle partie, à votre avis? L'immeuble, là. Regardez. Pile dans la trajectoire. Et qui voilà? Bien. Dois-je aller vous chercher un miroir? Ou allez-vous enfin avouer l'assassinat de... Agent Scott sur la une. Alors, ce dossier? Mauvaise nouvelle, colonel Amos. Le dossier militaire de Steve Roland a disparu du Pentagone. Là-bas, ils affirment que votre homme a bien été tué lors d'une mission il y a plus de 2 ans au Mexique. Eh bien, on va pouvoir rassurer la veuve. Mais en attendant d'annoncer votre résurrection, capitaine Roland... Que se passe-t-il ici? Vise les menottes. Ravi de te retrouver, Steve. Oui. La mangouste a retrouvé. Rejoins-moi sur le toit de l'immeuble. Mais pas de carton sur les agents du FBI, hein? La fille de la banque. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à laisser un commentaire et à vous abonner. Allez, sur ce, bisous tout le monde.